Et voilà parti donc pour cette course de VNLR avec Outsik, le numéro 3 qui a pris l'avantage. Le numéro 3 avec Dali qui est parti tranquillement. Et on a également Et Georges, le numéro 2 avec l'équipage Romain Rouge, qui est en deuxième position. Il est de disparaître dans le contrebas. En seconde position, on est là également avec Automatique qui tombe de venir devant une œuvre royale. Jamie Perche là, alors c'est un peu plus grand, un petit comité et également Automatique qui poursuit courageusement son parcours à l'arrière-garde. Les qui vont se diriger vers la fumée. Attention, se tromper de numéro, c'est Perle Belle, le numéro 3 avec Adresse. Un petit comité juste devant le numéro 8, Harlequin d'Allier. Les numéros 3 et 8 sont inversés sur votre programme. Les vont maintenant aborder le contrebas et revenir pour se diriger vers les pistes extérieures. C'est toujours vers le bec et à l'avant avec les gens qui est également avec Harlequin d'Allier devant Automatique. Et le numéro 6, c'est pas très bon de prendre l'avantage. Le Jamie Perse qui a toujours l'avantage avec Georges qui va tenter de venir également devant Perle Bay qui n'est pas loin. Harlequin d'Allier est à l'arrière-garde. Les concurrents sont de l'autre côté de la piste. Maintenant Perle Bay qui reprend l'avantage sur le numéro 6. Jamie Perse juste devant Georges qui est là également. Qui tente de... Ils sont arrivés, Mayotte. Et voilà, ils sont revenus nus avec Perle Bay qui va tenter de reprendre l'avantage avec les joueurs qui vont tenter de venir la difficile la tête rouge pour l'équipage Saint-Romain qui vient avec des mines en ressources. On est également avec le jeune Perse avec un petit comité qui n'est pas loin et qui va tenter de venir avec l'équipe de Royal qui est abattu par le cavalier toujours à l'arrière-garde. Les concurrents vont revenir vers le contrôle de Jeanne Perse qui a l'avantage de joueurs qui est là juste devant Perle Bay alors qu'on est là avec le numéro 7. Ensuite, comité qui est à la quatrième place, Harlequin d'Allier là également, les concurrents qui abordent la ligne d'or, passé en expert, ça c'est normal, avec Jamie Perse, le leader de la première heure, qui vont maintenant les joueurs, Perle Bay, pour venir l'inquiéter, alors qu'à distance, on retrouve un petit comité juste devant Harlequin d'Allier, les concurrents avancent au tournant final, et la lutte fait rage en tête, c'est toujours Jamie Perse qui a l'avantage, Perle Bay, plus côté corde, il va tenter de venir lui mettre la pression, il va falloir les encourager, les supporters des équipages, on ne vous entend pas. À 200 mètres du disque final avec Perle Bay qui a l'avantage. Adrien Jean-Louis.